Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo pour débuter l'année 2022 puisque nous sommes déjà au mois de janvier. On va regarder le taroscope mensuel pour le signe des Sagittaires. Alors vous allez voir que c'est un tirage différent. J'ai eu envie de changer de méthode. J'aime bien le mouvement, le changement pour ne pas être dans la routine. On va quand même regarder le mois de janvier de façon globale sur tous les thèmes. J'en profite pour vous souhaiter une très très bonne année, une merveilleuse année remplie de joie, d'amour, de partage, une réussite dans tous vos projets. Voilà, beaucoup de passion, d'intensité. Et puis on va regarder ce que vous réserve déjà janvier. Pensez que je vous ai fait aussi une vidéo pour l'année. Donc allez jeter un petit coup d'œil pour voir vraiment ce qui vous attend sur l'ensemble de l'année. Et puis, n'oubliez pas que ça reste un tirage général et que si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous pouvez booker un rendez-vous. Je vous mets toutes les infos en dessous de la vidéo dans le descriptif et puis quelque part ici au-dessus aussi. Allez, c'est parti. Janvier pour les Sagittaires, janvier 2022. Alors ici, il s'agit de votre état d'esprit pour le mois de janvier. Vous avez la carte de la femme et de la papesse. J'ai l'impression que c'est un mois où vous allez rester un peu secret ou un peu secrète. Il y a la notion de savoir les choses, de comprendre les choses, de les savoir même parfois de façon innée. C'est-à-dire que on a la certitude de quelque chose, on a la réponse à quelque chose, mais on ne sait même pas d'où vient l'information. Voilà, c'est cette connexion à autre chose qui fait qu'on sait d'avance les choses. Mais la papesse, elle a le savoir, mais elle ne communique pas beaucoup. C'est-à-dire qu'elle ne va délivrer ses connaissances, son savoir, donner ses conseils qu'aux personnes qu'elle considère, je cherchais le mot, qu'elle considère comme capable d'entendre et d'apprendre ce qu'elle a à donner. Donc il y a cette notion de ne pas trop s'épancher, que ce soit sur ses projets, sur ses envies, sur ses sentiments. Il y a vraiment cette notion de, voilà, j'observe, j'écoute, mais je ne parle pas trop. On va recouvrir pour voir l'évolution de votre état d'esprit au mois de janvier. Il y a la carte de l'étoile et l'as de bâton. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir, vous avez une envie de nouveau départ sur quelque chose qui vous donne beaucoup, beaucoup d'envie, de motivation. C'est encore à l'état de la réflexion. Rien n'est acté. Pour l'instant, vous pensez à des choses, vous avez des envies, vous avez des pistes. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cette carte de la papesse, parce que pour le moment, c'est en vous et vous ne l'extériorisez pas, vous ne le verbalisez pas. Avec le valet de bâton, on a encore ce nouveau départ, comme l'as de bâton. Hein. Ici, on a vraiment un nouveau départ et c'est quelque chose qui vous met vraiment en joie. C'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous donne vraiment de l'enthousiasme. C'est le valet de bâton, c'est le jeune enfant qui profite de la vie, qui a envie que les choses soient fun, soient légères, amusantes, voilà. Et vous, vous avez vraiment cette envie de nouveau départ sur quelque chose qui vous enthousiasme vraiment. Ça, c'est au niveau de votre état d'esprit en janvier. Au niveau du domaine sentimental, ça peut aussi parler de votre foyer. Il y a une prise de conscience ici. C'est comme si dans votre foyer, peut-être sur un nouveau projet, alors soit un nouveau projet qui concerne la famille, qui concerne le couple ou qui vous concerne vous, il y a, vous sentez soit pas soutenu, soit dans ce projet-là, dans cette envie-là de nouveau départ, vous ne savez pas encore comment vous pouvez atteindre votre objectif. Il y a cette notion avec Nadir ici d'être un peu dans le flou, dans l'obscurité. On voit bien ici ce point blanc au bout, donc vous êtes conscient qu'il y a des solutions, mais pour l'instant, vous êtes noyé dans ce noir et vous n'y êtes pas encore. Et pour moi, il y a une prise de conscience. Il y a comme si quelque chose, il y avait un déclic, quelque chose devient plus clair.
Et il y a un changement, il y a quelque chose qui se bouscule. Alors, cette prise de conscience peut venir de l'intérieur de vous, ou ça peut être un événement, une situation, une information, quelque chose qui arrive à vous de façon inattendue et qui vous permet de vous lancer sur ce nouveau départ. Ça touche le foyer. Alors, soit ça concerne directement votre relation, que vous soyez en couple ou non, soit ça concerne votre famille, même si ce n'est pas directement le sujet de la famille, en tout cas, ça aura une répercussion sur la famille. Pas une répercussion forcément mauvaise, hein, on va recouvrir. Si vous êtes célibataire, il est tout à fait possible ici que votre célibat soit pesant, que vous ayez vraiment envie de sortir de cette situation de solitude. Ici, il y a vraiment la notion d'avoir eu le cœur brisé, d'avoir été trahi, et ça vous a beaucoup peiné. Et il est possible que là, vous preniez conscience peut-être des peurs que ça a générées chez vous, peut-être des blocages qui ont pu se mettre en place, peut-être des croyances limitantes aussi pour rencontrer de nouvelles personnes. Et il y a quelque chose ici qui va basculer en janvier dans la façon dont vous abordez votre vie sentimentale ou familiale. Ici, de façon plus globale, et il y a effectivement, vous voyez, vous êtes dans ce tunnel, vous ne voyez pas le bout, c'est noir. Vous voyez bien qu'il y a une issue, il y a une possibilité, mais là, vous ne savez pas où aller. Il y a cette prise de conscience, il y a quelque chose qui vient vous bousculer parce que vous n'êtes pas à votre place. Vous avez l'impression d'être trahi. Alors, soit parce que vous n'êtes pas soutenu alors que vous attendiez le soutien de personnes autour de vous, soit parce que vous vous trahissez vous-même. Il peut y avoir cette notion de « je ne m'engage pas dans ce que je veux vraiment et je ne suis pas en accord avec moi-même ». En tout cas, il y a cette notion de je suis blessée, je suis triste, les choses ne vont pas comme je veux. Et là, il y a vraiment quelque chose qui intervient, qui va bousculer ça et ramener de nouvelles énergies. On voit qu'il y a une forme de fatigue, de lassitude ici. Et pourtant, vous voyez, il y a le roi de deniers. Donc pour moi, il y a effectivement quelque chose qui intervient, qui va bousculer ça, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Je vais en remettre une ici. Oui, on vous dit d'être un peu patient ici. Les choses sont en train de se mettre en place pour aller vers votre abondance. Je pense que en ce mois de janvier, sur ce qui est ici, un peu dans le flou, qui vous met le moral un peu à zéro, qui vous fatigue ici, on vous dit que les choses sont en train de se mettre en place, qu'il va y avoir des événements qui vont venir bousculer cet état de mal-être, cet état de fatigue pour un nouveau départ. Pour autant, on vous demande ici d'être encore patient et de prendre un temps aussi de repos. Les choses se mettent en place parce qu'après, une fois que ça va se mettre en place, que cette foudre va venir frapper, eh bien, vous allez vers votre abondance et il y a vraiment une concrétisation. Mais ici, il y a un temps nécessaire de maturation pour que, clac, ça vous apparaisse et que enfin, ça soit clair, net et précis. Pour sortir de cet endroit un peu sombre dans lequel vous êtes actuellement. Au niveau professionnel, alors, au niveau professionnel, je pense que ça va énormément bouger. Et je pense que c'est peut-être en lien aussi avec la répercussion qu'il peut y avoir au niveau de votre foyer. Pour moi, au niveau professionnel, il y a clairement un changement. Pour certains, le changement sera de l'ordre de « je quitte mon emploi ». Avec les armes, il y a vraiment la fin de quelque chose, on coupe quelque chose. La carte des épreuves pour représenter effectivement les épreuves au sens propre du terme, mais c'est aussi la carte générique du travail. Donc, ça nous indique qu'on est bien dans le domaine professionnel. Mais pour moi, ici, il y a vraiment un contexte qui ne va pas. Alors, soit dans votre emploi, vous laissez peut-être un poste pour aller vers un autre, soit vous laissez certaines tâches parce que ça ne vous convient plus du tout, soit vous quittez un emploi. En tout cas, il y a vraiment un très très grand changement. Avec la carte de l'ermite, c'est quelque chose, peut-être que vous êtes déjà en train d'y réfléchir. D'accord? C'est quelque chose qui est là depuis un moment, hein, qui est latent. Avec la carte du jugement, on vous prévoit ici un nouveau départ. C'est-à-dire que vous quittez quelque chose, mais vous ne le quittez pas comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que ce n'est pas comme avec la foudre où, clac, c'est une décision qui peut être impulsive.
Ici, non. C'est quelque chose qui, à mon avis, dure depuis un moment. Vous réfléchissez à des changements, à laisser certaines choses, à une modification peut-être radicale. Si vous êtes par exemple à votre compte, peut-être que vous n'allez pas arrêter stopper votre société, mais qu'il va y avoir un changement radical, soit dans votre façon de faire, soit dans ce que vous proposez. Mais derrière, il y a autre chose. Vous ne partez pas comme ça. Ici, il y a la notion, encore une fois, de trahison. Peut-être que vous n'êtes pas rémunéré à la hauteur de ce que vous méritez. Peut-être qu'il y a des gens qui vous font des crasses dans le dos ou qui essaient de s'approprier les mérites de votre travail. Il y a clairement quelque chose ici qui se trame en douce dans votre dos. D'accord? Et là, vous tournez le dos à ça. Donc pour moi, il y a vraiment un changement important qui débute en ce mois de janvier. Et là-dessus, vous avez le triomphe. Le 6 de bâton, c'est vous avez été au combat et vous allez vers le triomphe. Pour moi, encore une fois, c'est une situation que vous connaissez déjà. Même si vous n'êtes pas encore à l'étape où j'ai quelque chose derrière, je sais ce que je fais, j'ai le triomphe. Mais en tout cas, la situation, vous savez déjà qu'elle est bancale. Ici, il y a une forme de fatigue, de lassitude. Vous aspirez à mieux dans votre vie professionnelle. Pour certains, il peut y avoir la notion de devoir vous former. Il y a peut-être une formation à faire pour aller vers un nouveau poste. C'est possible aussi. Mais pour moi, il y a vraiment le triomphe sur le professionnel, sur tout ce qui vous plante des couteaux dans le dos, sur tout ce qui vous empêche d'évoluer. Ça peut être ça aussi, hein, dans le travail, ce changement radical, ça peut être le fait de ne plus se laisser faire et de dire, ok, là, je vais me défendre, je vais exiger ce que je mérite et ne plus me laisser faire. Je coupe avec ce mode de fonctionnement. Ça peut être tout à fait ça. Ici, alors ça peut être aussi si vous avez un projet, il peut y avoir une réflexion sur ce projet et que finalement, vous allez vous lancer dans autre chose. Le projet de départ peut être totalement modifié. Ici, au niveau financier, pour moi, il y a une situation qui est assez équilibrée, assez stable. Pour autant, il y a la notion de quitter quelque chose, de terminer un cycle et d'aller vers de nouveaux engagements. Alors, avec le voyage en plus, est-ce que vous avez de nouvelles propositions de rentrée d'argent? C'est possible. Est-ce qu'il y a un investissement avec quelque chose qui est peut-être loin? C'est possible aussi. L'as d'épée et le 2 de bâton. Pour moi, il y a des propositions ici. Il y a des possibilités financières qui vont se présenter à vous. Ouais. Alors, vous avez peut-être un peu peur de vous engager au départ parce que vous avez peur d'y laisser des plumes, mais on remet ici la carte du jugement. Pour moi, il y a quelque chose de très positif ou de nouvelles rentrées d'argent qui font... Alors, si c'est de nouvelles rentrées d'argent, ça fait suite à de nouveaux contrats. Alors, rentrée d'argent, ça peut être aussi un investissement dans l'immobilier pour certains. Soit parce que vous allez le mettre en location et ça va vous ramener de l'argent, soit parce que vous investissez et c'est un investissement à long terme. En tout cas, pour moi, la situation financière est équilibrée. Il n'y a pas de problème particulier. Il peut même y avoir des rentrées d'argent supplémentaires au mois de janvier. Ou en tout cas, si elles ne sont pas effectives au mois de janvier, il y a des pistes et des propositions. C'est tout à fait possible. Ici, on a ce qui vient à votre surprise, ce que vous ne savez pas forcément. Ici, on vous parle de faire un contrat, une association, de vous engager dans quelque chose. C'est quelque chose dont on vient vous parler, qui ramène du mouvement dans votre vie. Et il y a le fait de, comment dire, de vous ouvrir au monde. On va recouvrir. Il y a une notion de se mettre peut-être plus en avant. Alors, vous avez deux reines quand même, hein. Reine de denier, reine de bâton. Alors, ici, il y a une notion de devoir jongler, équilibrer dans un premier temps. Ouais, pour moi, vous avez une proposition ici qui arrive. Dans un premier temps, vous allez beaucoup réfléchir. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Comment je m'organise pour pouvoir le mettre en place? Si c'est une proposition peut-être professionnelle, vous allez peut-être jongler entre deux emplois au départ.
peut-être demi-temps, le temps de vous lancer complètement. En tout cas, c'est quelque chose qui vous amène peut-être une notoriété. Le monde nous ouvre vraiment vers l'extérieur. Ça peut être une proposition qui vous met en avant ou qui vous fait rencontrer beaucoup plus de monde. Pour moi, il y a une très très belle proposition qui arrive. Alors, en janvier, la notion de temps en voyance, elle n'existe pas, bien évidemment. Donc, ne vous fiez pas, ne vous figez pas si fin janvier, c'est pas arrivé. Ça peut être en février, d'accord? Mais pour moi, il y a des très bonnes propositions, de très bons engagements. Ça peut être aussi au niveau affectif, hein. En tout cas, c'est quelque chose pour lequel vous allez réfléchir, mais qui emmène du changement dans votre vie. Et là, vous y allez. Je pense que c'est vraiment une proposition ici que vous allez accepter et sur laquelle vous allez vous lancer parce que ça va vraiment vous convenir. Avec la carte du chariot, il peut y avoir aussi une notion de déménagement. Avec la carte de la roue aussi. En tout cas, il y a une notion de mouvement. Il y a vraiment un bond en avant ici qui se fait pour vous. Et je pense que c'est une proposition dont on vous parle ou une opportunité dont on vous parle que vous allez saisir. Voilà la carte de la justice, de l'engagement. On va regarder si on a un autre message un peu plus général peut-être. Ouais. Sur quelque chose qui aujourd'hui est établi et équilibré, il y a une ouverture vers autre chose. Il y a beaucoup de réflexion ici. Parfois même, il peut y avoir une notion d'isolement, de renfermement. Ici, il y a un nouveau départ qui est possible. Et revoilà les papiers, hein. Donc pour moi, c'est des engagements. Alors, il y a toujours cette notion de réflexion parce que finalement, on ne sait pas vraiment où on va. On ne sait pas ce que ça peut vraiment apporter. Donc, il y a une forme de méfiance, mais pour moi, c'est très positif. Alors ici, l'homme peut nous indiquer soit que c'est vous parce que vous êtes un homme, soit parce que c'est quelque chose qui est apporté par un homme. Ça peut aussi nous parler ici du contexte du foyer. C'est-à-dire que c'est une proposition qui arrive, mais qui peut avoir une répercussion indirectement sur le foyer. Et c'est pour ça que ça emmène une réflexion ici. Vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir, hein. Pour moi, c'est très très positif. Pour moi, c'est très positif et ça vous emmène un nouvel équilibre. Donc pour moi, il y a de nouveaux contrats, de nouvelles propositions, de nouvelles associations, voilà. Alors après, ça peut être aussi quelque chose qui se présente pour la famille. Cette proposition-là, cet engagement, ça peut être quelque chose qui est fait en famille, hein, puisqu'on a cette notion de foyer ici. C'est tout à fait possible. Donc, vous le mettez dans ce qui vous parle, dans ce qui vous correspond. Gardez en tête aussi que peut-être que là, au moment où vous écoutez cette vidéo, ça ne vous parle pas, parce que c'est des choses qui sont à venir et que à l'heure actuelle, vous n'en avez aucune idée. Donc, n'hésitez pas en cours de mois à revenir écouter cette guidance quand peut-être au fil des jours et des semaines, certaines choses vont se mettre en place. Allez, on va terminer ce tirage avec un message du petit oracle des runes parce que je sais que vous appréciez ces messages. Alors, je vais faire comme d'habitude, je tire trois cartes. Vous choisissez la 1, la 2, la 3. En fonction de celle qui vous interpelle, celle qui vous appelle. Et si vous hésitez entre deux, eh bien, vous prenez les deux. C'est peut-être que vous avez besoin d'entendre les deux messages. Alors, la carte numéro 1. Si tu as l'impression de répéter le même cycle encore et encore et d'en sortir chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. Cible les circonstances qui t'ont fait y replonger. Tu es capable de toutes les transformations. Si vous avez choisi la carte numéro 2, tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Prête pour un nouveau printemps? Si vous avez choisi la carte numéro 3, ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aidera à appréhender au mieux ce premier mois de l'année, ce mois de janvier.
Si vous êtes déjà abonné, eh bien merci. Si ce n'est pas encore le cas et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je poste de nouvelles vidéos. Je suis en train de réfléchir à de nouveaux formats pour vous proposer des choses un peu différentes. Donc, n'oubliez pas d'activer cette petite clochette. Merci infiniment pour tous vos messages, tous vos encouragements, tous vos retours très positifs. Je prends un grand plaisir à vous répondre individuellement, donc continuez, j'apprécie ces échanges avec vous. Merci pour votre présence, merci pour votre don très généreux. Je suis très touchée par vos gentilles attentions et votre bienveillance. Je vous remets en dessous de la vidéo tous les liens dont vous pourrez avoir besoin pour prendre rendez-vous, etc. Donc, jetez un petit coup d'œil. Et puis, ben, pour m'aider, merci de partager, de liker, de commenter cette vidéo. Ça m'aide à faire grandir ma chaîne. Je vous souhaite encore une merveilleuse année. Si ce n'est pas fait, allez écouter votre taroscope pour l'année 2022. Je vais vous souhaiter un excellent mois de janvier, une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.